Tout ce que vous demandez, c'est sacrifier en fait. On dit maillot 60 000. On a bavardé quand on a pris là, on est parti acheter. On vient regarder matière ça. Le minimum, on vous demande le minimum, vous ne pouvez pas faire. Toi, caissier, tu es joueur, tu joues au Bassa. Là-bas, on t'apprend pas à faire passe là-bas. Et puis le comble même, c'est que avant de jouer les matchs, toi, tes amis, on leur donne fruits, genre les salades, les petits. Toi, c'est beaucoup de riz qu'on t'y sert pour manger. T'as mangé beaucoup de riz quoi. T'as dit genre, pour venir jouer match, on a besoin d'être léger. Toi, tu manges beaucoup de riz. Tu peux pas courir sur le terrain. Tu peux pas faire passe. Les joueurs du Bassa là, eux passent, c'est leur moment. Eux, ils maîtrisent. Mais toi, tu es là, tu es joueur, tu es où sur le terrain quand tu peux pas jouer. C'est Kou Fofana, merci. C'est lui seul qui a joué ballon là. Le 11, là, il s'appelle comment? Grasso. Grasso là. Lui, c'est pas lui qui ressemble à Dadjou ou bien quoi là. C'est pas s'il veut chanter ou bien il veut faire quoi. Il est là, il peut pas courir sur le terrain. Hein. Il peut pas courir sur le terrain. Serge Aurier lui-même a ses pronostics, mais si on savait, on allait prendre notre jet, on allait mettre sur penalty. Serge Aurier va faire un penalty. C'est sur ça, on devait parier même. Puis avant de jouer match, nous tous, on a dit ça. Il va créer penalty. Si tu joues contre ton camp, faut nous dire en même temps, on quitte dans ça là. On peut pas se sacrifier un gars voiture ou en marche jusqu'au stade. Vous venez faire ce genre de truc, c'est quoi ça là? On met l'argent dessus, vous jouez match, on met l'argent dessus. Mais c'est pas notre jet, c'est de ça, quoi. C'est quoi ça là? En Paris, vous venez jouer les bêtises qu'on. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Nigeria n'est pas fort que nous. Mais il y a match, on a vu là. Si c'était pas pénalty, ils n'avaient pas nous gagner. Mais vous-même là, même un seul petit cadet, vous n'êtes pas mis. Un seul petit cadet, vous n'êtes pas mis dedans. Un seul petit cadet, vous n'êtes pas mis. C'est baby foot, vous jouez bien. C'est quoi ça là? Tech, tech, même on joue, on peut marquer un peu. C'est quoi ça là? Vous êtes des joueurs professionnels. Tout le monde est professionnel dans l'équipe. Hein. Il n'y a personne pour jouer. Serge Aurier, tu as venu jouer. Sébastien, alors, si tu sais que tu peux. Faut rentrer, tu as joué ta plaie, ça fait rien. Si on tape dessus, tu as en soigné, c'est mieux. Alain Nakar rentrer, il va jouer. Les masses gardent la rentrée, vous allez jouer. Puis ceux qui sont sur le terrain, ils foutent la merde. On peut pas prendre l'an. Moi, Dieu, j'ai pris l'an. Mais ticket là, on sait pas qui achète ça. Quand on ouvre les sites, ticket, on finit de vendre tout ticket. On s'en rend beau pour acheter ticket. On est loin là-bas. Ticket de 5 000, 10 000, on peut payer ça à 100 000, 60 000, on vient s'asseoir au terrain. On se sacrifie, on ne maille pas. Il y a un jeu que vous venez jouer. C'est quoi? Organiser canne d'argent, jouer premier match ou bien vous mettre dans toutes les poules. Genre, vous jouez pour compléter les équipes. Là, au moins, on sait que, genre, bon, on vous gagne et puis eux, ils passent, c'est fini. Organiser les gens, venir jouer. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Une équipe remplie de superstars, quand vous ne pouvez même pas produire quelque chose de bon. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? En parler, c'est venir dire non, on est impoli, en Côte d'Ivoire ici, on ne supporte pas nos joueurs. Mais respectez-nous comme le minimum, vous ne pouvez pas produire. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ça me décourage. Voilà, et puis n'oubliez pas, utilisez le code promo PATCO pour créer votre compte INISBET et recevez 200% de bonus. Voilà, c'est-à-dire que vous créez votre compte INISBET, vous utilisez le code promo PATCO, vous avez 200% de bonus sur tous vos premiers rechargements. L'ensemble.